Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo. Et donc, le sage nous a dit de passer par ici pour récupérer un item. Sûrement avec une bombe, en théorie, parce que ça ne marche pas avec la botte. Hop. On va ressortir le boomerang. Ok. Des fées. Un peu de vie, ça fera pas de mal, merci. Ça, on en fait quoi, ça? Rien du tout? Ouais, je ne sais pas. Et là, c'est quoi, une énigme? Oh, punaise! Hop, hop, hop. On me demande pourquoi je redis salut sur le live. Parce que je fais des épisodes pour les rediffs, tout simplement. Baguette de glace. Quoi? Oui, mais... j'ai pas compris, là, comment passer. Une bombe, je pense pas que ça marche. Ça non plus. Ok, bon bah j'ai pas compris. GG. Quoi? Ça fait sortir une abeille vénère. Mais... Aïe, ça fait pas de dégâts, mais what? Mais what? Allez, c'est bon, salut. Hop. Oh non, elle est toujours là. Ah. On va essayer ça. Ah non, d'accord. Bah, rien du tout. On me dit, essaye l'autre entrée. Quoi? Il y a une autre entrée, là? Faut pousser les blocs. Bah, j'arrive pas à les pousser, hein. Ni à les tirer. Je crois que c'est autre chose, non? Faut pas un item, ou... Parce que l'autre entrée, il n'y avait pas d'autre entrée, là. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit d'y aller tout de suite, là, le mec. Donc, ça veut dire que je suis censé pouvoir y accéder. Avec mon stuff actuel. Ce qui n'est pas le cas. Et l'autre abeille, elle est toujours là. Merci. Donc ça, on va éviter de le refaire. Bon, ça le fait qu'une fois. Bon, bah voilà. C'était génial. J'ai pas compris quoi faire. Parce qu'attendez... Ah, il y a une faille, là. Mince, je n'avais point vu. Mince, je l'ai peut-être mal placé. Ah. Non, ça passe. Ok, nickel. Non, mais c'est ça, alors, ok. C'est que j'avais mal vu... J'avais pas vu qu'il y avait une faille. Tac. La baguette de glace. C'est bourrasque magique glace l'air. Mais surveille ton compteur magique, ok. Et du coup, ça se pousse dans l'autre sens ou c'est juste pour nous montrer ce qu'il y a de l'autre côté? Ouais, ça doit être ça. Allez, on ressort. Hop là. Donc. Après, on va essayer d'aller récupérer le bouquin. Je ne sais pas à quoi ça sert vraiment. Le bouquin, il me semble que c'était par là. Alors après, on va pas attaquer un donjon aujourd'hui, donc... ça va faire un épisode un peu court, je pense. Parce que je suis un peu fatigué. Donc attaquer un donjon, non merci. Donc on va se faire la traversée dans l'autre sens. Déjà, j'en ai galéré pour venir jusqu'ici. Allez. Hop, hop, cassez-vous les crabes. Faites pas cagay. Alors je vais quand même essayer... What? Attends, il y a un mec... D'accord. Planqué dans des herbes qui font 30 cm de hauteur. Pourquoi pas? Voilà, fuck off, merci bien. On va essayer le sceptre de glace. Baguette de glace. Alors, est-ce que ça sert pour passer certaines zones? Je ne sais pas. Les crabes se déplacent de manière un peu pénible. Hein. Bon, on va se contenter d'avancer, je crois. Arrêtez de bouger, les ennemis, là. Il est carrément gelé, ça c'est cool. Mais par contre, ça a l'air de consommer beaucoup, donc autant rester sur le boomerang. Oh putain. J'ai mal tiré mon truc, mais c'est pas vrai. Bon. Encore ce truc chelou, là. Ça pète, on sait pas trop ce que c'est. C'est bizarre. Allez. Hop, hop, hop. Non, non, non. Si tu,
Je passe ça sur ces buts machin. Hop. Hop. Hop, voilà, parfait. Alors ça, quand on tape dessus, on se fait foudroyer par défaut. Oh, mais non, je vais pas me faire tuer par une abeille, hein. Fuck. Là, je crois que je vais tracer jusqu'au bout. Hop, hop, hop. Salut. Salut. Voilà. Salut. Hop. Oula. Là, il commence à y avoir un peu... beaucoup trop d'ennemis, là. Ouh. Puis les corbeaux sont bien relous. Il est parti, le corbeau. Alors, du coup, ça, qu'est-ce que c'est, ça? Je ne sais pas, on va y jeter un œil. La SNES est partie. Ouais. Mon dieu. Il a mal interprété ce que j'ai dit, je crois. Ouais, mais est-ce que j'ai... c'est marrant, ça. On peut les pousser qu'une fois. Bah, j'ai plus accès au coffre. GG. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, mais là, je vais crever, là. My God. Bon, on a ouvert le barrage. Ça n'a pas réinitialisé les trucs. Ok. Bon. Après, ça parle de foot. Mmh. Ah, il y avait un quart de cœur, je crois. Alors, attendez. On va faire autrement, hein. C'est plutôt basique. Hop. Hop. Tu as des bombes. Merci. Pour ce trésor ultime. Bye bye acide qui s'en va. Hop hop hop. Tac. Attends, les poissons nous agressent ou pas? La mort ultime contre un poisson. Où est-ce qu'on va? Un peu de musique. Un peu de musique, oula non. Un peu de vie pour arrêter ce bruit horrible. Putain mais... La hitbox quoi, je lui mets des coups d'épée, ça passe pas. Bon. C'est pas grave, hein. Hop. Le système de sauvegarde n'est pas pénalisant du tout. J'ai bien gardé mon spectre. Mon sceptre, pardon. Oh là là. Quart de cœur, oui, t'inquiète, j'ai vu. Alors, du coup, on me disait le bouquin, c'est pour ouais, traduire des textes et ouvrir des donjons, si j'ai bien compris. Faut juste que je me rappelle où c'était. C'était l'une des maisons isolées, mais je sais plus laquelle exactement, donc on va... On va juste repasser de toute façon. Cassez-vous. Bon allez. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Ah non. Allez, allez. Je voulais passer en sprintant, mais j'ai pas eu le temps de charger mon sprint. Hop. Mince, où est-ce que je vais, moi? Mince, oh là là. Peut-être qu'en repassant par le château, du coup, maintenant que je suis ici... Allez, go. Go. Non, mais go, mais pas dedans. Ah non, mais il tire des tridents maintenant, mais oh là là. Bon, allez, salut. Hop. Il tire des bombes, non, mais ils sont fous. Ça se fait pas, ça. La grande maison. Attends. La grande maison. Celle qui était en haut, là? Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Je perds la mémoire, tout va bien. Attendez, je viens de regarder la map, j'ai pas regardé vers le bas. Ok. Alors, tu peux pas rater la maison, il y a un livre sculpté dans le bois au-dessus de la porte. Ok. Hop. Non, attends, il n'y a pas de chemin là? On se moque de moi? Putain, la map te dit pas qu'il n'y a pas de chemin. Hein. Oh punaise, mais c'est pas vrai. Et puis sauter dans l'eau, ça va me faire perdre des cœurs. Ah, peut-être par là. Si ça rejoint... Oh, j'ai eu peur. Alors... Ça, c'était la voyante qui m'a arnaqué. Alors, j'ai un peu de sous. On va regarder, consulter à nouveau. Ce qu'elle nous dit. Voir si c'est un vrai indice. Alors, vas-y. Oui.
Ouais, tu trouveras un descendant des sept sages dans le désert. Par contre, ça redonne de la vie, ça c'est cool. Mais c'est un peu de l'arnaque, hein. Tu trouveras un descendant dans le désert. Mais on nous a déjà dit d'aller dans le désert, non? C'est pas ça, là, en bas? Enfin, quoique, là, on va chercher un pendentif. On va pas chercher un sage. Bon. Je ne sais pas trop. Alors, au sud du village, donc on va passer en courant ou pas, parce qu'il y a des arbustes. Allez, go. Aïe. Donc, normalement, c'est par là. Donc c'est ici, oui. Hop, on va pouvoir récupérer le bouquin. Alors je ne sais pas si l'utilisation est automatique ou si c'est un item. Hop, ça c'est fait. Tu as trouvé le livre de Mudora. Il te permet de déchiffrer l'ancienne langue des Iliens. C'est un item, ok. Fonce avec les bottes. Ok, c'est fait, merci. La voyante a spoilé, les sages, c'est après les trois pendentifs. Oui, donc voilà, elle dit pas du caca. Mais bon, c'est pas vraiment du spoil, enfin. Alors attendez, je crois que j'avais pas tout visité ici. Si. Alors du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas trop. Je veux pas attaquer un donjon. Peut-être se rendre... au nord, là, déjà, ça devrait prendre du temps. On va juste atteindre le donjon. Alors, je ne sais pas de quel côté on doit passer. Je pense que en passant au nord, là, ça devrait être nickel. Pas besoin de contourner à l'est, en théorie. En tout cas, rien ne l'indique sur la map. Attendez, j'étais pas venu dans cette maison, par contre. Je ne crois pas. On va aller voir... Voyons, vas-tu t'enrichir ou t'appauvrir? Ouvre un coffre pour 20 rubis. Ok, on tente. Allez, on va prendre celui-ci. Merci Trouduc, c'est agréable. Alors, on me dit que je peux récupérer les palmes Zora ou encore des médaillons pour avoir des sorts d'attaque. Oui, non mais alors, dit comme ça, j'irai me renseigner à la limite. Parce que là, attendez... On va repasser par là. Bonne nuit Hardcore Gamer qui se lève à 4h demain. Oh là là. Bon, dans ce que je vais faire pour finir, hein, je vais juste retourner vers le nord. Par contre, ah ouais, mais au niveau de la sauvegarde, ça va me ramener chez moi, non? Ou alors je sauvegarde une fois dans le donjon, tout simplement. Et j'essaierai de voir, alors pour les médaillons, au niveau des sorts d'attaque ou les palmes Zora. J'essaierai de regarder ça en off. Pour éventuellement la prochaine fois après le donjon. Ah, what? Ils m'ont arrêté? Vous êtes sérieux, là? Cassez-vous. Allez. Ça, non, c'est peut-être pour aller voir le... Oui, c'est pour aller voir l'épée. On n'a pas les pendentifs. Les jeux que j'attends le plus... pour cette année, il n'y en a plus des masses, à part Assassin's Creed. J'en vois pas, là, comme ça. Dark Souls 3, mais bon, c'est l'année prochaine. Final Fantasy XV, mais c'est pas cette année non plus. Kingdom Hearts 3, mais c'est pas cette année non plus. Fallout 4, ça, je n'attends pas ce jeu. C'est pas une saga que j'apprécie. Alors, en fait, ces sorts, tu les apprends via 3 stèles à 3 endroits dans le royaume. Ok, oui, non, mais faire ça au pif, je crois pas que ce soit vraiment possible. C'est quoi ces gens-là? Oh Link, une mystérieuse brume est tombée récemment sur la forêt. Soyons prudents. D'accord. Ils ont une drôle de tête. Hein. Alors on va aller voir dans la maison. Il me laisse pas passer. Merci beaucoup. Hop. Après j'essaie de voir d'autres jeux qui m'intéressent prochainement. Enfin qui m'intéressent vraiment parce que bon il y en a d'autres comme Projet Zero là qui sort fin octobre. J'aime bien le jeu mais c'est pas un jeu que j'attends énormément quoi. C'est le jeu où faut chasser les fantômes avec un appareil photo. C'est une ambiance un peu particulière. Alors attendez. Je sais pas... Oh purée. Ah faut peut-être accéder là à l'espèce d'entrée rose bizarre là.
ça doit être ça. Donc on est venu là pour rien. Bon. Du coup on est là, on va aller voir ce qu'il y a là quand même. Des fées. Un quart de cœur. J'y ai pas accès. Bon. On verra ça une autre fois. C'est pas par ici qu'on le récupère. Hein. Hop hop hop. Quoi? Je veux prendre l'apéro chez moi. Mais tu sais que je bois pas d'alcool, mon gars. J'ai rien du tout en apéro. Si, je dois avoir une vieille bouteille de Martini périmée depuis 3 ans. À part ça... J'ai que dalle. Mince. Ah mais attendez, c'est bloqué. What? Ah non, c'est pas là. C'est pas là, c'est beaucoup plus bas. Est-ce qu'il n'y a pas un truc d'utile sur le panneau, là? Alors, danger, ne pas pénétrer dans la montagne de la mort. Carrément, montagne de la mort. Le nom qui tue. Hop. Est-ce que je veux Black Ops 3? Pas vraiment. C'est pas une saga que j'aime, les Call of Duty. Alors après, si Johan et Asnes le prennent, il y a peut-être des chances que je le prenne pour jouer avec eux, mais bon. Ah, on me dit, n'essaye pas d'aller dans les montagnes, c'est le dernier pendentif. Donc tu pourras pas y aller maintenant. Ok, bon ça c'est pas vraiment logique, c'est pas expliqué. Bon bah là on va aller vers le sud alors. C'est parce qu'on était à côté, du coup j'ai fait quasiment demi-tour. Quoi, ça ira assez vite. Hein. La route a l'air d'être assez droite. Allez go! C'est parti. Hop. Là, au sud. Mais du coup, on va bien vers le désert, hein, je crois. Enfin, moi, visuellement, j'ai cru voir un désert. Après, comme le jeu est pas très joli sur la map, on ne voit pas forcément ce que c'est réellement. Bon, on continue à descendre. Oui, parce que du coup, je partais d'ici, donc... j'aurais été beaucoup plus près de base. Donc faut traverser vraiment le désert, donc on va repartir en bas à droite. Et donc en fait j'ai vraiment fait tout le tour de la map quoi en gros. GG. Alors. Ah mais est-ce qu'on y a accès par là? Ça a l'air d'être bloqué, non? Oula! Ah non, il y a un passage après, ok. J'ai rien dit. Mais c'est bloqué. Ah, c'est peut-être pas là. Enfin, la map, ouais, je sais pas. C'est un petit peu bizarre. Chut, ignorez-moi. Là, je suis pas sûr de pouvoir passer. Hein. Oh putain. On me dit dans le village, t'as pas vu un marchand qui vendait des bouteilles? Non. Je crois pas. Alors après, j'ai pas fait toutes les maisons. Oui, pour garder une fée sur soi, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, là, maintenant que je suis parti, je vais pas refaire demi-tour à nouveau. Donc pas par là. Hop, 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 on va éviter de sprinter. Putain, les corbeaux, ils sont horribles. Hein. Punaise. Donc sud. Ouest. Mais du coup... Oh putain. C'est vers où on était. Oh là là, j'étais passé là-dedans pour récupérer le quart de cœur. Est-ce que je vais pouvoir passer là? J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui vont bloquer. D'accord, merci mon gars. Ne me parle pas, laisse-moi tranquille. Je suis un vieil original. Ne prends pas ma pancarte. Ouais. Putain de corbeau! Attendez, on va essayer par là. Des cactus. Il y a des vautours maintenant, non mais. Oh, j'aime pas les ennemis qui volent, ils sont chiants, ils bougent. Oh punaise, mais c'est pas vrai. Voilà, dégage. Merci bien. Oula, oulala, oulala, il y a des hommes de sable un peu chelous là. Oh putain, ça les one-shot pas.
C'est des vautours, quoi. Allez, il me tourne autour. Hop. Voilà, bye bye. Ok, on s'approche. Oh, purée, homme de sable. Au secours. Il veut me manger. Ah, le bouquin, le bouquin, le bouquin. Si j'arrive à aller dessus, merci. Pour t'ouvrir un chemin, fais une prière et elle sera exaucée. Ok. Ok. D'accord. Prière très compréhensible. Ok, ok. Bon. Ben voilà. Accès au prochain donjon qu'on se garde pour la prochaine fois. Oh, punaise. Oh, punaise. Du coup, ben, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis ben, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut.